Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Halo Wars. Nous sommes à la 10e mission qui se nomme Monde Bouclier et je vais vous montrer tout simplement l'emplacement du crâne et de la boîte noire sur cette mission. Tout d'abord, je reste en pause car il ne me reste pas beaucoup de temps avant la fin de la mission, donc je vais tout vous expliquer sur le menu pause. pour le crâne, il va falloir encore une fois réaliser un défi. Il va falloir tuer 350 essaims, donc c'est des espèces d'oiseaux en fait qui volent. Il va falloir en tuer 350 avant la fin du temps imparti. Une fois que ceci est fait, alors en fait vous vous retrouvez tout à l'est de votre première base et il y aura le crâne qui sera apparu. Pour la boîte noire, quant à elle, elle se trouve juste derrière la zone où il y a Bravo. Alors, je vais vous montrer vite fait, donc là il y a la base, tout à droite, vous allez, il va falloir des Hornets, hein, obligatoirement, sinon vous ne pourrez pas le prendre, voilà, parce que comme vous pouvez le voir, il est au milieu d'une zone vide, et ensuite ici, il y a la zone bêta, voilà, donc on va aller leur demander, là il y a Alpha, vous avez sauvé le premier groupe d'individus, là il y a bêta, où il y a la boîte noire, du coup vous avez sauvé le deuxième nombre d'individus et là il y a le troisième, donc c'est Charlie. Donc je vais mes troupes de nettoyer la zone quand même pour éviter de perdre, ce serait bête. Hop. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime ou un commentaire, ça me ferait très plaisir. Ou même abonnez-vous, ça me ferait encore plus plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À plus.